Moi, je vous emmène à Castelsarrasin parce que ce festival s'est battu et il a bien eu raison. Regardez, c'est Pierre Perret, le parrain, qui nous en parle le mieux. Je suis de Castelsarrasin. Ce soir, symboliquement, si vous voulez, je vais chanter une chanson que j'ai faite exprès pour le pays qui s'appelle « Je suis de Castelsarrasin » que je n'ai jamais chanté encore ici. La camionnette en pouvait plus. Quand le festival Alors Chante a décidé d'être transplanté ici de Montauban à Castelsarrasin, qui est à 20 km, on m'a demandé tout naturellement d'être le parrain de ça et ça me semblait très naturel et j'ai accepté volontiers. On a évité les plages de riches. Je trouve ça dommageable que les festivals disparaissent de plus en plus et que notre culture d'aujourd'hui ne soit pas un peu plus bienveillante à l'endroit de ces gens-là. On l'a trouvé plutôt jolie. Je vous signale une chose, c'est que ici, c'est un préau. C'est le préau de l'école maternelle où papa et maman m'ont mis. J'avais 2 ans et je suis venu à cette école maternelle il y a 78 ans maintenant. J'ai rien à cacher. Donc vous êtes en train de faire votre interview avec moi dans un endroit où vous étiez quand vous aviez 2 ans. Exactement. Et limitant la liberté, Lily. Je vous propose quelques interviews des artistes qui ont donné de la voix pour cet anniversaire, comme Pierre Perret, l'enfant du pays, qui en était le naturel parrain. C'était le 12 septembre dernier à Castelsarrasin, près de Toulouse. Le reportage est signé Thierry Cadet. C'est une des seules villes de France importantes où j'avais encore jamais chanté. Et ça s'appelle Castelsarrasin. Et il y a quand même une bonne quarantaine d'années que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je suis de Castelsarrasin ». Et peut-être ce soir, je vais le chanter pour la première fois et ça me touche beaucoup, voilà. C'est un gros festival. Il y aura beaucoup d'artistes, que des copains la plupart du temps, et les plus anciens comme Anne Sylvestre, par exemple, qui a débuté avec moi, et tant d'autres après, comme les orgues de Barbac, Juliette, Benabar, etc. Enfin, je les connais tous, et j'ai toujours, tout, un jour ou l'autre, plus ou moins, fait une émission avec eux, ou un concert avec eux, etc. Donc, ben moi, symboliquement, je vais chanter 3 ou 4 chansons, et puis l'année prochaine, je reviendrai faire un vrai récital. Ils mourront pendant 2 heures dans le café au lait, voilà. Je suis de Castelsarrasin. Il y a du tabac, il y a du raisin. C'est pas du Havane, il s'en faut. Et le vin, c'est pas du Bordeaux. Mais les gens, ils sont accueillants. Et j'en connais de bienveillants qui ne se payaient pas souvent le luxe d'avoir mal aux dents. Une seule fois en 10 années, on est allé se promener durant 15 jours de beau temps sur les plages de l'océan avec les matelas pneumatiques, la tente et les trucs à moustiques. La camionnette en pouvait plus. Mais on chantait comme des perdus. On plantait la toile n'importe où, dans les dunes de sable doux. On évitait les plages de riches, qu'on n'appelait pas encore les beaches, dans les bois de pins résineux. On faisait bien attention au feu. On n'allait pas au restaurant, on mangeait le pâté de maman. Mon petit frère était bien mignon,
famille piquait tous les brugnons au dessert pour se faire pardonner. Ils chantaient mes jeunes années. Au lieu de nous chasser de là, on nous offrait du ratafia pour remercier le proprio. Le soir, je jouais du saxo. Je suis de Castelsarrasin et du patois, je m'en souviens. Les paysans disaient le jeudi, au Walmercat à Sarrasin. Et l'été, quand le soleil donne, j'allais me baigner à Garonne. Mimi disait Mundi ou Pichu, des basses négas, pas attention. Moi sur mon vélo, fou de joie, j'allais voir la petite Emma. Ses petits seins en bouton pression qui me faisaient grosse impression. Ses êtres au cœur si bien bâtis qui m'ont fait regarder la vie qu'ils tiraient à U et à Dia. S'appelle Maurice et Claudia. À bientôt, salut, on se dit plus.